Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous continuons toujours à décortiquer l'actualité dans votre émission Analyse qui vous parvient du lundi au vendredi sur la télé du 21e siècle. On change d'invité pour recevoir cette fois-ci un de nos reporters ici de la maison. Il s'agit de Ba Mohamed Alpha. Et puis, depuis 2 jours, juste après la présentation d'un document sur la statistique des accidents en Guinée, la route continue de faire des victimes dans le pays. Mercredi, bien sûr, hier, un accident s'est produit sur la nationale Mamoun Farana, précisément à Kouloundara, sous-préfecture de Ourikaba. C'est aux environs de 13h que ce drame a eu lieu. Il s'agit d'une collision entre un minibus en provenance de Kissidougou pour Conakry et un camion remorque qui, lui, quittait Conakry pour Farana. Le bilan fait 18 morts, un chiffre accablant, et 10 autres blessés. Les corps des victimes ont été transportés à Kissidougou, d'où ils sont originaires pour leur inhumation. Et les blessés, quant à eux, reçoivent actuellement des soins intensifs plutôt à l'hôpital régional de Mamou. Voilà une situation aujourd'hui qui inquiète plus d'un dans le pays. La sécurité routière, on en parle depuis le début de cette année. Beaucoup d'accidents, surtout du côté des transporteurs. Je veux parler des mototaxis et aussi surtout aussi entre le transport interurbain. On en parle juste hier, même aujourd'hui, on vient de nous signaler un autre accident où il y a eu encore, disons, 18. 8 morts hier, aujourd'hui dans la journée, encore toujours sur la Nationale 1. La question se pose aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas dans le pays? Qu'est-ce qui doit être fait? Vous, personnellement, en portant votre regard sur la circulation dans le pays, pour vous, qu'est-ce qui ne va pas? Quelle observation faites-vous justement de l'état de la circulation dans le pays? Non, il y a lieu de prendre des mesures idoines, vu la gravité des accidents, vu la résurgence et la recrudescence de ces accidents-là qui font en sorte qu'il y a lieu vraiment de faire des états, des assises pour voir la problématique. Parce que de plus en plus, on ne fait que déplorer des morts. On ne fait que déplorer des accidents graves qui font en sorte qui endeuillent des familles. Et donc, il est question maintenant de voir quel est le problème. C'est vrai qu'on vient à peine de mettre en service le contrôle des véhicules pour essayer de voir est-ce que tout véhicule doit aller dans la circulation. Mais le problème est beaucoup plus complexe, vous savez, parce qu'en matière de conduite préventive, vous avez le conducteur, vous avez l'engin, vous avez l'état de la route. Donc, il faut voir la complexité du problème sur tous les facteurs. Parce que c'est tout ça là, souvent, dont la résultante est les accidents que nous déplorons. Vous revenez de l'intérieur du pays. Est-ce que vous n'avez pas constaté des routes carrément muettes, des routes qui ne parlent pas? Est-ce que vous avez constaté la présence justement des panneaux de signalisation sur ces routes? D'abord, je commencerai par dire que les routes à l'intérieur ne sont pas dans les normes. Pourquoi? Parce que vous avez des crevasses, des nids de poules sur des longs trajets, sur des longs tronçons. Et en plus de cela, il n'y a pas de signalisation. Et même encore, le facteur le plus complexe, le plus grave et le plus dangereux, c'est la compétence même des conducteurs. Vous voyez des jeunes conducteurs, des apprentis qui prennent des engins roulants, qui font de longueurs de distance avec des camions, avec des cars. Donc, ce qui fait que l'inexpérience même des conducteurs aussi à la barre des accidents. Il y a l'état de la route, l'inexpérience des conducteurs, la vétusté du parc automobile. Regardez les véhicules qui circulent, regardez leur état. Oui. La décision avait été prise à un moment à Conakry par le gouvernement guinéen d'interdire l'exportation des véhicules, en tout cas, datant de 8 ans de vie. Aujourd'hui, cette décision n'est pas du tout appliquée dans le pays. On continue encore à constater l'arrivée de ces anciens véhicules en Guinée. Pour vous, aujourd'hui, quel est le constat que vous faites de l'état de la circulation? Avant de dresser un bilan, je dirais d'abord bonsoir à nos téléspectateurs et surtout nos condoléances aux familles, aux différentes familles éplorées, que l'âme des disparus repose en paix. Il est très difficile de dresser un bilan ou bien un truc général sur l'état de la circulation. Monsieur Jean a commencé, mais ça reste beaucoup de choses. Non seulement les routes ne sont pas dans les conditions normales, dans
les conditions requises. Les routes ne répondent pas aux normes, c'est-à-dire l'épaisseur, la largeur, les chaussées, beaucoup de choses. Les chauffeurs, les conducteurs ne maîtrisent pas très bien. Ça, c'est deux. Troisième des choses, nos rues ne parlent pas, nos routes ne parlent pas. Il n'y a pas de panneaux de signalisation, rien. Tu peux rentrer dans un pont très étroit et rien ne te dit que tu viens dans un virage ou bien que tu rentres dans un pont. Il y a beaucoup de choses, et l'État laisse ces choses passer. L'État avait annoncé depuis longtemps l'interdiction de l'importation des voitures datant de 8 ans. Mais ça n'a été que des effets d'annonce. En tout cas, nous, personnellement, on n'a pas vu, et les gens continuent à importer ces voitures et qui font des accidents mortels, très dangereux. L'unique voie de communication dans le pays aujourd'hui, justement, c'est la route. Parce qu'il n'y a plus de voies aériennes dans le pays, ça n'existe plus, ni de voies ferrées. Et ces voies aussi, aujourd'hui, restent à désirer dans le pays. On a assisté un peu à la crise liée au pont de l'Insan quand c'est arrivé. Aujourd'hui encore, nous continuons à assister aux accidents dans le pays. Dites-nous aujourd'hui, côté aménagement des routes, ne pensez-vous pas qu'au lieu de lancer des projets de réhabilitation des voiries urbaines, il y a encore nécessité de penser aux routes de l'intérieur? C'est à moi ou M. Jean? Oui, allez-y. C'est très important. Les routes de l'intérieur, il faut voir. On n'a pas de route. Même l'autoroute ou bien les autoroutes, les deux autoroutes qui sont à Conakry, c'est étroit. Ce n'est pas des autoroutes qui répondent aux normes. J'ai tout à fait dit, tout à l'heure dit qu'il faut respecter les normes. Il faut que ça soit grand. Il faut que ça soit bien fait. Il faut que les routes parlent. À l'intérieur du pays, on n'en parle même pas. M. Jean, il vient de l'intérieur, il connaît. Il a de parler des nids d'éléphants, des nids de poules. Moi, je parle des nids d'éléphants. Parce qu'il y a des parties là où il n'y a même pas de goudron, il y a des fossés. Quand tu viens dans une voiture, tu as l'impression que tu tombes dans des puits ou dans des rochers. C'est complètement déplorable. Moi, je voulais parler de l'enclavement même de l'intérieur. Même ici dans la capitale, on voit des tranchées, des tronçons qui sont vraiment qui sont impraticables. Mais l'intérieur encore, c'est plus grave. Moi, je vous dis, on est passé dans des régions, dans des localités où il n'y a même pas de pont. Jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas. Et puis, ce qui est déplorable, et vous faites bien de soulever ce problème ce soir sur ce plateau, c'est que beaucoup de fonds qui sont destinés à l'entretien, à la réhabilitation des pistes rurales sont détournés. Hier, on me parlait d'une route qui a coûté 3 milliards, mais qui est pratiquement qui est impraticable. Moi, j'ai vu des ouvriers, des villageois qui sont en train de refaire la route à l'intérieur parce qu'il faut au moins que les motos passent ou bien que les tricycles passent. Les voitures ne peuvent pas y passer. C'est donc important, on en a insisté beaucoup dans le pays. Quand vous prenez le tronçon, par exemple, du Cancan pour Kissidou, c'est une route qui pouvait permettre justement le désenclavement de la région. Mais ce projet est lancé il y a très longtemps, il y a plus de 8 ans. Jusqu'à présent, rien. Quand vous prenez l'axe Cancan-Mandiana, encore très compliqué à pratiquer. Vous avez même constaté, il y a quelques mois, il y a eu une manifestation à Mandiana à cet effet parce que les projets ont été lancés et les travaux ont été lancés plus tôt, mais il y a eu, je ne sais si il y a eu détournement ou pas, mais jusqu'à présent, les populations là n'ont que leurs yeux pour pleurer. Et d'un autre côté, aujourd'hui, quand vous partez en forêt, dès après Kissidou à Condé-Mandou, vous ne pouvez plus continuer parce que la route est dans un état pas possible. L'on se pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec justement ce département en charge d'abord des travaux publics, mais aussi en charge de transport, parce que il faut le dire, ce sont ces deux départements qui sont liés à ce phénomène dans le pays. Si d'un côté on dit que les routes sont muettes, c'est parce que ça c'est de la responsabilité du département de transport, mais la vétusté aussi des routes repose justement sur la responsabilité du département des travaux publics. La question qui se pose aujourd'hui, Moustapha Naïté, à l'Assemblée déjà en cette période de projet, de proposition de budget par département, il demanderait plus de 1554
milliards et quelques poussières, justement pour pouvoir réaliser les chantiers qu'il a égrenés hier à l'Assemblée nationale. Pour vous aujourd'hui, est-ce qu'il y a besoin de partir aussi à l'intérieur du pays pour justement essayer de régler ces problèmes au niveau des pistes? Moi, je voudrais revenir sur un point qui est extrêmement important. Vous savez, on a coutume d'entendre que là où la route passe, le développement suit. Oui. Et je vous le dis, c'est pertinent, c'est pertinent, c'est pertinent. C'est réfléchi. Pourquoi? Parce que vous voyez des zones de production agricole où on ne peut pas évacuer la production. Je vous donne un exemple qui m'a sidéré, c'est que le motard, il porte carrément des sacs de riz, il les entasse sur la moto pour pouvoir aller vendre un marché périodique. Alors, de ce qui fait que si on ne fait pas les routes, si on n'aménage pas les routes, les pistes, si on ne réhabilite pas les pistes, la pauvreté continue à sévir dans ces zones-là et le recul au développement continue à être manifeste. Il est bien vrai que les autorités prennent des dispositions pour essayer d'avoir des fonds de budget pour réhabiliter les routes, mais tant qu'il n'y a pas une véritable politique de mise en œuvre et de valorisation des infrastructures, d'entretien des infrastructures routières, notamment dans les régions rurales, nous ne sortirons pas de sitôt de la pauvreté parce que la route est capitale, la route est fondamentale pour essayer d'évacuer la production agricole, pour essayer de promouvoir le développement, pour essayer même de désenclaver. Vous voyez un peu, je vous donne encore un cas de figure. Figurez-vous que dans une région, dans une localité éloignée, quand quelqu'un tombe malade, comme il n'y a pas de véhicule, parfois il y a un petit vélo pour l'amener dans un hôpital, et c'est extrêmement difficile. Il faut qu'on l'embarque sur une moto. En tout cas, c'est compliqué. D'un autre côté, on se rappelle encore en 2017 avec l'accident d'un autre minibus en provenance de Doubreka. Vous vous rappelez certainement où pratiquement tous les passagers ont perdu la vue, plus de 23 personnes dans ce véhicule qui certainement était en provenance de Béréir et Bafila. À l'époque, c'était le village d'origine du Premier ministre Mamadi Youla. On se rappelle encore de cette période, cette année encore. Autre accident, on parle de plus de 18 morts finalement. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui besoin de contrôler systématiquement l'octroi du permis de conduire? Ça, on a toujours dit, c'est important, c'est primordial, mais je ne sais pas. Il y a des gens qui ne passent même pas, qui n'ont même pas de permis de conduire. Chacun apprend comme il veut. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans un état de droit. Si nous sommes dans un état normal, on doit régulariser tout. L'octroi de permis, c'est nécessaire, c'est important. Mais est-ce que ça se fait dans les conditions, dans les règles de l'art? Je ne sais pas. Mais vous-même, si vous avez constaté dans la circulation, vous allez voir des enfants, des mineurs, derrière le volant. Ça, c'est des surcharges. Où sont nos policiers? Où sont nos forces de sécurité? Qui régulent la circulation et au niveau même des sorties de la capitale. Ils ne font que arnaquer les chauffeurs. Il suffit juste de récupérer 5 000 francs. On n'a pas besoin de savoir si tu as permis de conduire, ou bien si tu as surcharge, ou bien si tu as des armes dans ta voiture, ou bien dans ton véhicule. C'est dommage. Mais moi, je dirais même qu'il y a des barrages où vous trouvez un embouteillage monstre. Parce que les forces, ils sont en train de racketter, ils sont en train de prendre de l'argent avec les camionneurs. Oui, c'est vérifié. Le ministre démissionnaire, l'ex-ministre de la citoyenneté, Khalifa Gassama Diaby, a mené ses enquêtes, ses propres enquêtes. Il s'est embarqué dans un véhicule tout banal et au niveau du checkpoint de Kaka, justement, il a été racketté par des soldats qui ne l'ont pas reconnu. Mais après, juste d'autres qui l'ont reconnu, la débandade totale. Finalement, aujourd'hui, la question, en tout cas, inquiète les Guinéens dans le pays. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une pause. Juste après, on va parler des droits de l'homme.